enceinte. Première fois, je crois, première fois que vous allez me voir comme ça en pleine. Bon, je vous reprends suite. J'en ai ça. J'ai un reflet de ma pleine. Je vous ai tourné hier soir ma petite préparation puisque je sortais. J'ai passé une super soirée. Je vous mettrai des photos de ce que j'ai un petit peu mangé et tout ça. Nous sommes exactement le samedi 3 décembre. Donc vous aurez ce petit vlog dans la soirée, je pense, sur YouTube. Je ne vais pas faire un énorme montage. Mais comment vous dire que déjà j'ai très très mal dormi. Ben oui, très bonne idée, Cathy. 23h au restaurant, tu prends un café gourmand. Que vous pensez que j'ai réfléchi que le café allait m'empêcher de dormir. Bah, je me suis endormie, il était 2h30 du matin, réveillée à 8h. D'ailleurs, ça piquait un peu, mais comment vous dire qu'aujourd'hui j'ai envie de rien faire. Mais quand je vous dis de rien faire, c'est de rien faire. Je me dis, je me suis levée, je me suis dit, est-ce que tu fais un peu de couture alors que je devrais reprendre, j'ai les cheveux sales, enfin, je les lave, vous voyez, la journée, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bon. J'ai commencé un peu ma matinée sur, pas sur les chapeaux de roue, mais j'ai mon oncle qui m'a téléphoné, qui avait un petit problème avec son internet. Voilà, il est sur Bordeaux. Très souvent, il m'appelle, enfin très souvent, il m'appelle, voilà. Quand il a des petits soucis, j'adore l'aider parce que c'est mon oncle, voilà. Tout simplement. Il s'est occupé de moi durant toute ma vie, donc c'est le minimum que je puisse faire pour lui, et c'est pas assez en fait, mais on est loin, moi je suis à Paris, il est sur Bordeaux, mais bon, voilà, j'ai commencé avec lui un petit peu, on a resté pas mal de temps ensemble au téléphone, et puis ouais, j'ai envie de rien faire, alors je me suis mis tout de suite après. Là, je discutais avec monsieur qui était un petit peu avec moi. Il a bu un café là avec moi. Et lui aussi, il ne travaille pas aujourd'hui. Bon, il a un métier très prenant, comme vous savez. Donc, il va rester tranquille au chaud. Il caille, mais il caille, j'ai envie de vous dire. Il caille la mort. Vraiment. Il fait gris, il fait moche et tout. Il caille. Et j'ai la flemme d'enlever ma robe de chambre. Je suis désolée que vous me voyez comme ça. Mais en même temps, c'est un petit peu la vie. Donc, je me suis posée là parce que j'avais, je ne sais plus dans quel vlog je vais vous le dire ou je vous l'ai dit, je ne sais plus. J'ai envie de faire une porte, vous savez, les portes d'une maison un peu à l'américaine décorée. Et j'ai commencé à regarder à la peindre en aquarelle. Voilà. J'ai un petit peu commencé là. Pour me détendre un petit peu, je me suis mis mes écouteurs et j'ai regardé les vlogs qui sortent de ce matin là, un petit peu, ou qui sont sortis hier soir que j'ai pas vu puisque j'étais pas là. Donc j'ai regardé un petit peu et tout, puis je me suis dit, oh bah toi, bah vas-y, filme aussi un petit peu ta matinée. Bon, comme d'hab. Petit cappuccino, il n'y a rien de plus réconfortant pour moi quand je ne fais rien. Et comment vous dire? Ouais, j'ai envie de rien faire. J'ai même pas envie de m'occuper de ma maison. Bon, il va falloir. Hein. À un moment donné, je vais me mettre, comme on dit, un coup de pied au derrière. Je vais continuer à peindre un petit peu. Demain, il y a le live. Je stresse. Je me suis démaquillée, mais je suis encore. J'ai un œil noir. Je ne sais pas comment ça se fait. Ouais, je stresse un petit peu. Mais bon, je sais que ça va très très bien se passer, qu'on va passer un moment de partage et de plaisir. Donc ça, c'est cool. Donc demain, dimanche à 14h, il y a le live. C'est génial. D'ailleurs, il faut que je pense à vous faire une petite publication pour pas que vous oubliez si vous voulez venir. Vous êtes les bienvenus. Voilà, donc je vais m'organiser dans ma tête et tout pour le live de demain. Et puis je pense que ouais, ça va être vraiment une journée cocooning à la maison.
Je pense pas vous filmer grand chose parce que faire le ménage, c'est pas très plaisant, hein. Voilà, mon repas est déjà décidé pour ce soir, donc j'ai pas grand chose à faire. Il y a du pain, donc j'ai pas envie de sortir. Aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment pas envie de sortir. Voilà, j'ai pas envie. Donc, ouais, ça va être tranquillou. Je vais continuer un petit peu mon aquarelle légèrement. Je vais vous mettre avec moi à côté. Et puis voilà, après, je vais prendre mon temps. Je vais peut-être me laver les cheveux. Vous, avant, vous aurez vu ma préparation. Je vous ai pris avec moi pendant que je me maquillais. Je vous mettrai les petites photos du resto, tout ça. Et puis voilà, petit samedi tranquille. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un peu plus de décoration. Peut-être que si je me fais de la. Je mets un peu plus de décoration dans le salon. Je le filmerai. Mais je suis pas motivée. Voilà. Pas motivée. C'est pas grave, hein? Vous m'en voulez pas? Allez, je reprends. Je vous change d'angle. Bon, je vais vous laisser juste comme ça. Alors là, j'ai fait ça vite fait. Enfin, vite fait. Pour donner un peu le volume, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Là, j'ai envie d'arrêter. Je la reprendrai un petit peu plus tard. Mais parce que là, vraiment, j'ai envie de changer. Ça y est. J'ai fait, je pense, ma demi-heure d'aquarelle. Ce qui me convient. J'ai pas envie de la finir pour pas faire de, on va dire de bêtises. Hein. Je vais laisser sécher. Il faut que je reprenne mes nœuds, mais je vais mettre de l'or, donc je pense peut-être les rattraper. Voilà. Après, il va falloir que je peigne ma porte, mais je voulais d'abord voir un petit peu l'esprit que ça pouvait donner. Et il va falloir que je mette aussi, vous savez, de la lumière dans mes lanternes. Je suis trop contente de mes petites lanternes. Regardez comme c'est mignon. Voilà, donc c'est vraiment pas fini, mais l'esprit est vraiment là. Voilà. Et coucou, comment allez-vous? Bon, je commence ce petit vlog de Noël. Nous sommes dimanche. J'ai toujours la même tête que samedi parce que je suis en ce moment mode feignante. Voilà. Il faut pas se mentir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, des petites choses et je voulais vous montrer. Vous savez, des fois, quand vous sortez, vous savez que j'habite dans un appartement parisien, donc pas énormément de place et tout. La couture, beaucoup de tissus. Voilà. Je suis allée récupérer des boules de Noël parce que je voudrais refaire
faire ma couronne du toujours que je n'ai pas fini et que j'ai même pas commencé pour mettre sur la porte dans l'entrée. Voilà. Et donc j'ai descendu ma caisse où je mets toutes mes boules, toutes mes choses comme ça. Oh, mais derrière, j'ai trouvé des trésors. Bah oui, je vais vous les montrer. Alors, les trésors que j'ai trouvés, je me dis, mais oh, j'avais complètement occulté ces tissus. Désolée, oui, je suis en polaire, il fait toujours aussi froid. Donc, j'ai mis mon gilet polaire qui vient du commerce et on s'en fout. Je ne sais même plus d'où il vient, mais bon, bref. En tout cas, ça me... Allez, on va le fermer. Me tient bien chaud. Non, on va pas le fermer. Ma fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Vraiment. Alors, mes petits trésors que j'ai retrouvés. Regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous vous souvenez de ces tissus? Je vous le donne dans le mille. C'est du jersey extensible. Ou ça sature. Et bien évidemment, dans les deux sens, avec une petite fille trop mignonne. Et je vous montre. Le deuxième, avec des lapins qui sortent d'un chapeau, avec des baguettes magiques. Eh bien, est-ce que vous vous en souvenez? C'est les fameux jerseys magiques que vendaient les coupons de Saint. Saint-Pierre. Je me suis fait agresser par ma cour, par ma guirlande. Ça ne tient pas du tout ce bazar. Comment je me suis fait agresser, tout tombe. Je vais remettre ça. Alors, je vous montre. Regardez comment la magie opère. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez ce qui se passe chez le lapin. Alors, ça prend un petit peu de temps. Et regardez les petits corps, les petits cœurs commencent à se colorer. Les cheveux de la jeune fille, pareil. Pardon. Sur, vous voyez, ça a pris des couleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle les jerseys magiques. Je trouve ça trop mignon. J'avais acheté ça pour des pépettes que j'avais, voyez, et dès qu'il prend, alors là ça n'a pas beaucoup pris, voyez, ses cheveux sont jaunes, et dès que ça va prendre la lumière, j'ai du mal à vous montrer. On va prendre celle-ci. Ses cheveux vont devenir dans les tons mauves. Alors oui, ça prend un petit peu de temps. Mais regardez. Voilà. Vous voyez, ça... couleurs commencent à apparaître de plus en plus. Voilà, je vais re-rentrer parce que je me gèle pour vous quand même là, faut le savoir. Ceci que j'avais l'année dernière, c'est des branches que j'avais acheté chez le fleuriste qui mettent des paillettes partout, on s'en fout, c'est Noël, petit nounours. Alors là-haut j'ai mis Noël, ça c'est la grande sœur d'un petit bonhomme que je garde qui me l'a fait et je lui avais promis qu'elle serait sur la porte, donc voilà,
et je vous montre le résultat final que nous avons fait. Et je trouve ça trop mignon. Voilà. Donc il y a un petit Père Noël, un petit ange. Nous avons des boules, des petits nœuds, des feuilles or, un nounours. Voilà, et un petit cœur. Donc je vous laisse avec ces belles images. Et j'aime trop ma couronne de Noël. Et je finis ce vlog pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde.